choisi pour annoncer ta parole. Amen. Grâce à eux.
Donc tous ceux qui naissent de ces villages sont automatiquement sous lui, sa protection. Vous voyez, avant c'était comme ça. Hein? C'est sous ces prétextes-là. Protection, bénédiction. Donc, il se reconnaît en toi. Voilà, les esprits du village. Et c'est comme les esprits ne vont pas porter des habits comme toi et moi pour venir dans le village. Ils vont rentrer dans, à travers des gens. Amen. Amen. Qu'on appelle les sorciers. Alléluia. Amen. L'Afrique a trop de problèmes. Il y a quelqu'un en Afrique a trop de problèmes. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu de nous avoir fait la grâce de connaître l'Évangile. C'est la plus grande bénédiction pour l'Afrique. Amen. Amen. L'Afrique n'a pas besoin d'argent, de riz, comme dans le temps, le Japon, les États-Unis le faisaient, en expédiant des tonnes de riz en Éthiopie, partout au Somalie. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin d'une chose, l'Évangile, la parole de Dieu. Est-ce qu'il va les éclairer? La richesse ne commence pas dans les poches, ça commence dans la tête. Dis à quelqu'un, ça commence dans la tête. C'est une grande bénédiction, hein, ce programme-là, c'est une grande bénédiction. Dis à quelqu'un, c'est une grande bénédiction. Voilà, tu as une confort, une grande bénédiction, préparée par la famille Dobé, tu vois. Voilà la famille Dobé, c'est grâce à Dieu. Que même le village sera béni. Bénédiction patrie et ce sera bénédiction régionale. Parce que Jésus va démontrer sa puissance au-delà même de Zakoro. Zakoro, voilà. L'évangile est une bénédiction. Je comprends pourquoi. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, le verset 23, la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, parcourait les villages pour prêcher la bonne nouvelle, pour enseigner dans les synagogues, pour guérir les malades, mais également pour guérir. Tu dis quoi? On acclame très fort le Seigneur. Faire ce qu'on a vu faire notre Père. Amen. Amen. Allez, bougez. Amen. Allez annoncer la bonne nouvelle. S'il y a des infirmités, il est guéri. C'est tout. Et quand vous allez dans une grande hôpital, vous allez voir que tous ceux qui sont là-bas, ils soignent les gens, n'est-ce pas? Tout le monde soigne les gens là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, qui sont mandatés, ils ont le mandat de soigner les gens. Mais en même temps, chacun a sa qualification, n'est-ce pas? Voilà, tu vas trouver. C'est vrai qu'il y a les généralistes. C'est-à-dire ceux qui se débrouillent dans le traitement de tous les maladies. Mais en même temps, il y a des spécialistes. Tu as vu quelqu'un vit sa spécialité, c'est les oreilles. Tu as vu quelqu'un vit les ophtalmologues, les yeux, tous les couleurs des yeux. Tu as vu quelqu'un vit sa spécialité, c'est opération. Tout ce qui est complication, lui, met ça à nu. C'est comme ça, monsieur Jésus. Amen. Si le monde est bien organisé comme ça, c'est pas Dieu qui ne sera pas organisé de cette même manière. Il fera même mieux. C'est pourquoi dans le corps du Christ, tu vas trouver divers dons, divers ministères, mais en même temps, divers façons d'opérer du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, il nous a fait la bénédiction des grâces qui est de détruire les œufs de la sorcellerie. Amen. Voilà, les maîtres en mis les bénédictions. Sans orgueil, mais avec une grande grâce de la grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne peut pas croiser les bras. Nous ne pouvons qu'agir partout. Parce que c'est toute la vie qui souffre de ce mal. Amen. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Vous faites comme cette femme. Vous faites comme cette femme. On va lire rapidement. Matthieu chapitre 15. Vous savez. La bénédiction spirituelle, comme les yeux physiques ne peuvent pas voir sans distribuer, il faut assez de motivation. Amen. Il faut que tu sois engagé.
Oui, Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21. Je lis la parole de l'Éternel. Il faut chercher Dieu, oui. Oui. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Oui. Et voici une femme. Voici une femme cananéenne qui venait à ses côtés de se rencontrer. Lui cria, aie pitié de moi. Aie pitié. Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Suivez bien la lecture. Vous allez voir l'engagement de cette femme. Oui. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dit avec insistance, oui. Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est la réponse de Jésus à la femme. Mais elle veut se prosterner. Devant lui. Disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'y a pas de bien de prendre le pain des enfants. Non, il n'est pas bien. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur mère. On acclame pour la parole. Mais est-ce que tu as fait attention à l'attitude de cette dame? Elle rentre dans une affaire, elle essaie de profiter d'une situation, on dit non! Et regardez très bien, analysez bien. Vous allez relire plus tard. Un autre jour, mais faites très attention à ce texte. Regardez très bien la dame. Ce n'est pas elle qui est dans le besoin. C'est sa femme. Ce n'est pas chez elle à la maison que Jésus est. Jésus est ailleurs. Il faut se rendre là-bas. Normalement, il faut partir avec la concernée. Celle qui souffre, il faut partir avec elle. Mais cette dame va la laisser à la maison. Elle n'est pas juste. Elle va coucher sans sa fille. Espérons rencontrer Jésus et que par le contact de Jésus, sa fille soit guérie à la maison. Mais elle n'est pas passée à sa fille à la maison. À la maison. À distance déjà, elle crie. Jésus s'en fout de ses cris. Ou bien il a bien entendu. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, écoute très bien. Suis très bien ce qui te passe. Parce que tu vas élever des prières, tu auras l'impression que Jésus ne t'entend pas. Pas qu'il ne t'entend pas, ma soeur. Il cherche à faire quelque chose en toi. Il cherche à déclencher quelque chose. Parce que ce qu'il va te donner sera un échange pour quelque chose qui viendra de toi. Ce que c'est, le miracle qu'il va te donner, le mariage, le voyage, ça sera un échange contre quelque chose. Parce que la Bible l'appelle le consommateur de la foi. Jésus, il a besoin de la foi. Comme un acheteur de cacao qui a besoin de cacao et qui donne de l'argent en retour. Jésus, lui, il a besoin de la foi. Tu lui produis la foi, lui, te produit le miracle. Il va te, pour ça Jésus va te remuer, il va te bousculer, il va te toucher. Il faut que ce produit la force de toi, c'est à toi pas. D'après les gens, ils savent sur toi. Amen. Donc cette dame, elle va faire plus de quelque chose. Jésus fait semblant de ne pas s'intéresser à elle. Et depuis, ceux qui sont autour de Jésus disent, renvoie-la. Elle nous embrouille dans le elle nous emmerde. Renvoie-la. Cette dame va continuer encore à crier.
Jésus dit, bon, comme ça, c'est pas. Il dit, comme moi-même, je n'ai pas parlé à vous, les enfants. Jésus lui-même va parler. Est-ce qu'il a encouragé? Non. Jésus ne l'a pas encouragé. Normalement, vous, parce que là où ça s'en va, il n'y a plus de respect, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes en comme moi. Je quitte une comté. Je dis, c'est comme depuis la Sandra, j'arrive ici. Mais on dit, tu pries, tu es un homme de Dieu. Et regarde comment tu parles aux gens. Elle devait partir. Mais la dame me dit, à quelque part, il sait que nous. C'est qu'elle cherche là. C'est ce petit jeune homme qui a ça. Amen. Amen. Je suis pas n'importe qui. Amen. Je l'ai toujours dit. Amen. Amen. Cet homme va descendre encore. Bizarrement, Jésus la renvoie ici, derrière. Elle se retrouve où? Elle se retrouve où? Elle se retrouve devant Jésus. Entre nous, n'est-ce pas? Elle a insisté. Jésus ne sait pas par quel miracle. Cet enfant de nous subitement devant lui. Et elle va prendre une encore. Jésus va dire, malgré tout ça, Jésus ne va pas l'encourager. Bon, Jésus a défendu à Jésus. Il va pas l'encourager. Il va la choquer encore très fort pour que le produit sorte parce que elle est étrangère à la fois. Amen. Jésus va encore crier quelque chose. Il dit non, tu sais que ça. On ne prend pas les bonnes choses de nous. Chien. En un mot, Jésus est en train de la prendre comme une chienne, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non, ça devait, l'histoire devait s'arrêter là. Ça c'est très grave. Ah, une femme pour moi, une femme âgée. Est-ce que je suis pas là? Amen. Mais cet homme sait ce qu'elle veut. Dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il y a quelqu'un qui faut savoir ce que tu veux. Il y a des gens qui ne savent pas ce que tu veux. Il y a des gens qui ne savent pas que c'est pas fait, c'est l'homme qu'il faut réussir. Même dans la vie, ça c'est une loi naturelle. Tu veux réussir dans la vie, il faut être persévérant. Tu t'es engagé dans quelque chose, il faut chercher à aller en cours. Parce que le découragement va venir. Tout ce qui va t'empêcher d'évoluer, tu verras ça sur ton chemin. Il n'y a pas de chemin de gloire sans chemin de gloire. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si tu prends un chemin de gloire, tu verras des croix sur la mort. C'est un principe universel dans le monde spirituel comme physique. Il faut persévérer. C'est ce que cette dame a fait. Elle dit oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. Que les chiens n'ont pas droit à manger sur la table. Mais comment manger sur la table, ça peut arriver que des grecs tombent. Les chiens peuvent nous prendre ça. Amen. 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 Mais est-ce que toi-même tu es prêt à agir comme ça? Est-ce qu'une telle détermination peut t'animer jusqu'à ce que ce programme finisse? Pour ne pas que tu quittes zéro. Pour que tu ressortes sur mon cœur. Amen. Est-ce que si tu te réunis, la chose peut sortir? La foi. Amen. Je n'ai pas dit la foi à un homme. Non. Mais la foi en Dieu. Amen. Alléluia. C'est très important. Ce soir, je vais vous donner un conseil. La bienveillance de quelque chose. Alléluia. Jésus est prêt à faire tous les sacrifices. Amen. Pour que un seul être humain soit sauvé. Ça dit pour toi, Jésus est prêt à tous les sacrifices. Souvenez-vous très bien à Gadara. À Gadara, c'est un seul fou, une seule personne qui avait un problème, n'est-ce pas? Mais à Gadara, aux alentours de Gadara, il y avait, au fait, l'élevage était la grande richesse.